Hey les potes, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, je viens de revenir de vacances. Et oui les gars, 2 semaines d'inactivité, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir balancé de vidéos pendant cette période. Parce que honnêtement je n'ai pas eu le temps, j'avais envie de vous faire, enfin de préparer des vidéos. J'avais pas le temps et je me suis dit en même temps, faut que je profite un peu de mes vacances pour aller me détendre, pour faire la fête et tout. Et vraiment c'était inoubliable. Et voilà, là je suis de retour, après justement 2 semaines d'inactivité, pour vous proposer quelques vidéos justement avant la rentrée scolaire. Parce que dans une autre vidéo je vais vous parler un petit peu de mes projets à l'avenir, enfin de l'avenir de ma chaîne en général. En tout cas les gars, pour cette vidéo là je vais vous présenter un petit peu du gameplay sur PES 2016. Et oui les gars, cette année Konami est revenu en force, je vais pas vous le mentir les gars. J'ai testé ce jeu, en fait déjà pour vous avertir, c'est une démo, donc je pense qu'elle est accessible à tout le monde. Mais en tout cas, je vous partage un peu les impressions que j'ai eues. Donc pour l'instant, j'ai vraiment aimé ce jeu. Niveau graphisme, c'est pas vraiment aussi bien que FIFA, mais déjà il y a une grosse amélioration au niveau du visage des joueurs, vous allez le voir plus tard, ou peut-être dans une autre vidéo. Le gameplay aussi il a vraiment été amélioré. Je vais en parler un peu plus au cours de la vidéo. Mais je voulais vous informer qu'en fait moi j'ai toujours été fan de PES. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui jouent à PES 2006 sur PlayStation 2. Et oui, moi j'étais vraiment un grand fan de PES. Avant c'était Wing Eleven. Et là c'est passé un petit peu sur du FIFA. Avant ça les gars, je vous laisse un peu admirer les graphismes, un petit peu les chants. C'est parti les potes. On est de retour les potes, donc comme je disais, d'après la cinématique, on voit déjà qu'il y a eu de grosses améliorations sur cette édition de PES. Franchement, ce jeu est devenu beaucoup plus palpitant qu'avant, parce que voilà, je pense que vous vous rappelez un peu des anciennes versions qui étaient dégueulasses, faut être honnête. Mais là, ce qui m'a plu vraiment dans ce jeu, c'est un peu la fluidité. Regardez déjà un peu les drifts que je vous ai montrés pour l'instant. On voit vraiment que le joueur, voilà, il essaye de dribbler rapidement et aussi d'imiter les dribbles d'un joueur dans la vraie vie. Je vais vous présenter un peu dans un certain clip les dribbles de Robben. On dirait vraiment lui qui dribble notamment dans la vraie vie. Et ce que j'ai aimé aussi les gars, c'est la défense. Franchement, on a l'impression que les joueurs sont dotés d'une incroyable intelligence de jeu. Ils savent vraiment se placer au bon moment. Là encore en passant, regardez-moi ce but. Franchement, c'est l'occasion dans ce jeu de marquer des beaux buts. Donc là j'ai fait un petit coup sombrero avec Robben. J'ai enchaîné du pied gauche, malheureusement ça tape sur la barre. Mais Lewandowski est là avec un très très bon réflexe, une bonne réactivité pour placer ce ballon au fond des filets, malgré que voilà ça touche Buffon. Voilà, c'est un peu dommage. Et là encore, ce que j'ai aimé sur ce jeu, voilà, c'est la capacité à récupérer facilement le ballon lorsqu'on est en pressing. Même si le joueur n'est pas fort en défense, il a des petits réflexes là pour justement intercepter le ballon. Là aussi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la défense, notamment les récupérations aériennes. On n'est pas obligé d'être un super, enfin Usain Bolt en défense. Voilà, comme vous avez pu le voir, Dante n'est pas très rapide, mais il a pu récupérer le ballon parce que justement, ce qu'ils ont amélioré un peu, c'est le positionnement, c'est le don de l'interception. Là encore, regardez les gars, j'ai marqué un très très beau but et grâce à quoi? Grâce à la fluidité, grâce au dribble. Et voilà, ce PES peut justement vous offrir la possibilité de marquer ce genre de but. En passant les gars, il y a une nouveauté. On a le droit maintenant de choisir la célébration. Donc c'est un peu comme FIFA, encore lorsque vous courez, vous devriez appuyer sur une touche
pour activer une célébration. Donc voilà, c'est un petit truc sympathique. Alors qu'avant sur PES, c'était automatique. Et voilà, ça ne donnait pas vraiment beaucoup de plaisir lorsqu'on marquait un but. Ce que j'aimais aussi, les gars, c'est un petit peu le jeu de tête. Donc voilà, lorsqu'on a un grand gabarit, c'est sûr qu'il va récupérer des ballons de la tête lors des corners aussi. Voilà. Encore une autre chose, les gars, c'est le jeu de passe. Le jeu de passe, on a l'impression qu'il est très très fluide, qu'il est réaliste. On passe bien avec un bon joueur. En passant, les gars, regardez. Là, je viens de faire un magnifique dribble avec. Comment ça s'appelle déjà, Thiago. Donc ce que j'ai aimé aussi, les gars, c'est les dribbles. Vraiment, ça change un peu de FIFA, les petits joueurs 5 étoiles gestes techniques. Là, ce que j'ai aimé en fait, les gars, c'est que n'importe, vraiment n'importe quel joueur peut faire des gestes techniques. En fait, tu peux t'amuser à dribbler avec un défenseur central. Mais bon, on n'est pas aussi con pour faire ça. Un autre truc, les gars, c'est les tacles glissés. Donc vous avez pu voir un peu dans les clips que franchement, les joueurs sont placés au bon moment pour effectuer un tacle glissé propre. Ils le récupèrent et même s'ils n'arrivent pas à le récupérer, c'est son adversaire. C'est son coéquipier qui le récupère. Vous avez pu voir qu'il y a une petite, comment dire, un petit collectif, une petite cohésion entre les joueurs. Et je pense en fait, ça c'est un peu les stats en réflexe qui sont élevés. Ce que j'aime bien aussi, c'est les contre-attaques. Vous avez pu le voir là, j'ai facilement récupéré le ballon en défendant collectivement. Et puis après, Lewandowski part en contre-attaque. Et Thiago a une bonne vista du jeu. Et bah, il lui passe. Mais malheureusement, après, j'ai fait un petit peu la merde. J'essaie d'enrouler, mais ça marche pas très bien. Là encore, les gars, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu les dribbles de Robben. Vous voyez là, la course. On dirait vraiment que c'est lui qui court dans la vraie vie. Et le tir, voilà, c'est un peu. Ça reproduit un peu la même technique. Donc ouais, les gars, c'était un petit gameplay sympa où je vous donne un petit peu mes impressions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de vous abonner, de commenter. Et pour la prochaine vidéo, les gars, je vous proposerai les visages des joueurs plutôt. Sur ce, bonne journée.